Attends, dans le son, voilà. Ah, ça, c'est pas dans la musique. Bonsoir tout le monde, bonsoir Iron, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le mercredi 5 août. Merci Iron pour le host. C'est très gentil de ta part. Il est 21h41 et nous partons sur la suite de nos aventures. The Assassin's Creed Odyssey. Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Ah, aujourd'hui c'était congé, donc c'était journée de repos. Ça fait du bien. On s'est promené. On a mangé à Burger King. On s'est reposé. Un petit peu de geekage. Et on est reparti pour deux jours de taf. Avant le week-end. Avec la famille, ça fait toujours. Oui, oui. Ce matin, on s'est promené, il fait beau, ça grave. J'étais surtout content qu'il y avait personne au parc. Parce que généralement, c'est les gens qui me saoulent. Mais là, il y avait pas un chien. Ah si, j'ai vu un chien. Je ne te ferai pas mal. Oh, il m'a fait peur le lion. J'avais oublié. On lui avait donné un surnom, lion, je sais plus. Il y en a assez plus. En tout cas, il y a un gars là qui avait une quête. On voulait faire cette petite quête là. Oh, non, on n'avait pas donné de nom. Comment on l'appelle le lion? Il est tacheté. C'est un lion tacheté. Il est beau, il est bien foutu. Il est bien reproduit. Hein. Chapeau. Lionel. Lionel. Ah, pas mal. Allez, Lionel. Lionel. Voilà. Mais, je baptise. One shot. Salé, celui-là, je le prends. Bon, qu'est-ce qu'il fout, lui? Avec un bateau échoué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, merci au Dieu de t'avoir envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le reste de l'équipage? Des pirates! Ils nous ont presque tous tués, mais ils ont emmené mon frère! Il faut que tu l'aides! Je vais t'aider. Je vais t'aider à trouver ton frère. Je suis pas marin, je suis charpentier. Et mon frère aussi. Qu'est-ce qu'il veut ici? Notre père qui nous a appris le métier. Ah, dis-moi qu'il est sur la petite île. Notre navire aurait besoin d'un charpentier. J'ai travaillé sur des navires et réparé des coques qui avaient des trous aussi gros que le point de. Tu mets des doigts dans les fesses? Non, elle faisait pas que ça. Sauve mon frère et je rejoindrai ton équipage. Marché conclu. Non, les drags. Bah, le type il est là, il a une toge comme vêtement. Où est-ce que je vais trouver ces pirates? Il a pas un rond. Ils sont. Il y a une île à l'ouest de la baie aussi et au sud du mont Helicon. On dit qu'ils viennent de là. Ah, ils sont pas sur l'île là? C'est chiant. Tu sais autre chose qui pourrait m'aider? Je ne sais pas. Tout s'est passé très vite. Tecton. Avec la guerre, c'est il y a plus de pirates que de tics sur une truie en ce moment. Mais leur campement n'est sûrement pas bien loin. J'ai commencé à regarder des vidéos pour un PC. Ah, fais gaffe, tu vas te donner des envies. On va trouver ces pirates et libérer ton frère. Moi, j'ai j'ai trouvé Merde, j'aurais dû faire. On va faire l'île avant d'aller chercher ces pirates là. J'ai trouvé les épisodes Kai de One Piece. Il y a 2-3 gars qui se sont fait chier à cut toute la série pour que ça soit plus court. Donc je pense que ça va être le prochain manga. Je finis Bleach. Bleach, je suis environ à l'épisode 180. Je suis à presque la moitié. Bah, j'économise maintenant. Les dieux. Alors moi, ce que je conseille, alors. C'est ce que je conseille à tout le monde quand vous débutez. Si vous avez peur de... Si vous avez... Ça a tremblé là. Si vous avez peur de monter un PC vous-même, etc. Je vous conseille, alors pareil, hein, J'ai pas de de sponsor ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de LDLC. Voilà. Vous tapez hardware. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, vous commencez à taper hardware, il y a une recherche auto qui va vous proposer les PC hardware. Là, où vous allez dans informatique, ordinateur de bureau. Et normalement, PC de bureau. Ah, ils font du reconditionné, tiens. Et vous avez les PC de hardware. Processeur, on s'en fout. Ça a changé depuis que j'ai acheté ça. Trier.
Moi c'est pour stream surtout. Ouais, bah moi je l'ai acheté là-dessus moi. Moi j'ai acheté deux PC. Je les ai pas montés moi-même. En fait j'achète un PC de base et après je l'améliore jusqu'à ce que je dois trop améliorer et du coup j'en achète un. Mais vous avez. Où est-ce qu'on peut aller voir les PC? Attendez. Avant il y avait un menu. Tous nos produits informatiques. Périphérique portable. Ordinateur. Là. PCHardware.fr. Vous allez là-dedans. Voilà tous les PC de hardware. Hardware, c'est un site très très fiable au niveau des tests de PC. Bah, tu as recommencé Bleach ou t'as jamais regardé? Ah, Bleach, si, je suis à l'épisode 180 là. Si, j'ai commencé il y a un moment. Bah, j'ai aussi un cousin qui s'y connaît, donc il saura me le monter normalement. Ouais, après, eux, franchement, ce qui est bien, c'est qu'ils te le montent, ils le testent et ils te l'envoient. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs. Et voilà, et donc là, vous avez des. En général, je prends le plus cher. Après, chacun sa bourse. Mais voilà, PCA Power User. Non, mais c'est pas le Power User, c'est le Power Gaming. Monté avec Windows, bon, il a 1600 balles. Et en fiche technique, si on regarde. Ryzen 5. Stockage, un HDD, un SDD. Affichage, carte graphique, une RTX 2060 super. Bon, c'est peut-être pas la meilleure. Mais après, vous pouvez. Il me semble que LDLC, ils ont un outil, configurateur de PC. Ils ont un outil, vous choisissez tous les composants, et ils vous le montent, et vous l'envoient. Ah, évidemment, c'est moyennement payant. Mais imaginons, tu as une bourse de 2000 balles, on va dire. Hop. Voilà ce qu'ils te conseillent pour 2000 balles de mettre dedans, tu vois. Ils sont plus sur du RTX. Après, vous pouvez modifier. Oui, et vous pouvez faire. C'est le configurateur de LDLC. Et après, si tu veux faire ça, si ça t'intéresse. Ah oui, ils ont mis l'écran avec. C'est pour ça que c'est aussi cher. J'allais dire, c'est cher pour 2000 balles pour avoir ça. Mais voilà, vous pouvez choisir votre boîtier, votre machin, votre truc. Et comme. Ouais, tu vois, quand j'ai pris celui-là, on va prendre ça par exemple. Hop. Tu vois, tu as des petits indicateurs vert ou rose, n'importe quoi, orange. Et en fait, c'est si jamais tu trouves une sorte d'incompatibilité ou un truc comme ça. Hein, quitte à faire des économies pendant 2 ans. Et le faire moi-même à 100%, c'est possible. C'est possible, mais il faut s'y connaître un minimum. Tu vois, il faut mettre un processeur sur une carte mère. Il faut faire très attention. Tu pètes une dent, c'est foutu. Faut bien mettre de la pâte thermique. Il faut bien monter le ventilo sur le processeur, sinon ton PC s'allume jamais. C'est pas dur en soi, hein, surtout maintenant, hein, tout est facilité. Mais en fait, moi, je veux pas me faire chier parce que si jamais tu commandes tout, déjà, il faut tout recevoir, tout monter. Si ton PC est merde, il faut trouver la panne, il faut renvoyer le composant, il faut attendre que ça passe en garantie constructeur, qui te renvoie un autre. Tu vois, c'est chiant. En fait, moi, je prends un tout fait, mais moi, ce que je fais, c'est genre souvent, LDLC sont vraiment cool parce que. Parce que moi, ce PC-là, quand je l'ai acheté, celui que j'ai actuellement, je leur ai dit. Parce qu'ils proposaient la 1060 dedans et pas la 1070 Ti. Et moi, j'avais encore un peu de budget pour mettre un peu plus. Je me suis dit, bah, et en fait, je leur ai envoyé un mail, je dis, voilà, j'aimerais bien cette configuration-là avec la 1070 Ti. Est-ce que c'est possible? Voilà, je commande les deux. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit, d'accord, bah vous commandez. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas modifier. Il me semble que maintenant, on peut modifier les composants. Mais en fait, j'avais commandé la config, plus j'avais acheté la carte graphique à côté, l'autre. Et je leur ai demandé de mettre l'autre carte graphique dans mon PC. Et ils me l'ont fait et ils m'ont rendu. Parce que la 1070, c'était plus cher que la 1060. Mais la 1060, je l'ai payé. Donc ils m'ont rendu le coût de la 1060. Comme si je l'avais pas acheté, en fait, ils m'ont remboursé ça. Et le faire moi-même, c'est possible, non? Non, sur le site. Ah oui, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire. Hein. Tu peux le dire. En fait, avec le configurateur qu'ils ont, tu peux choisir tous tes composants que tu veux. Ça va former un PC. Tu valides, tu peux leur demander de le monter, de le tester. Tu peux même leur demander d'installer Windows. Moi, je leur avais demandé d'installer Windows et de le partitionner en trois. J'ai un SSD, un disque dur. J'ai demandé de partager en trois le disque dur. Ils l'ont fait, ils ont tout fait. Des gens sympathiques, ils sont vraiment sympathiques et fiables. Ils sont. Et celui-là, alors en plus celui-là quand je l'ai reçu,
Il y avait un truc qui n'y allait pas. En soi, ils l'ont pas vu parce que c'était assez discret. Grosso modo, j'avais de la RAM partagée qui voulait pas se départager. J'avais de la RAM partagée avec le BIOS ou je sais pas quoi, un truc assez poussé. Et en fait, quand j'allais dans la RAM, quand je regardais dans la RAM, je voyais que je pouvais pas tout utiliser. Il y avait un petit truc qui allait pas. Et en fait, c'est bizarre parce que le PC te disait c'est bon, il y a les 16 Go de RAM, donc le gars il a pas été plus loin. Mais en fait, sur les 16 Go de RAM, j'avais que la moitié que je pouvais utiliser, le reste il était en 10 partagé. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un petit défaut sur la RAM. Et je me suis dit, oh putain, ils vont me demander de renvoyer la RAM, etc. J'ai échangé avec eux, ils m'ont toujours répondu. On a échangé ensemble pour trouver le problème, etc. Ils m'ont proposé des solutions, des trucs, des bidules. Il n'y a rien qui marchait. Et au final, ils m'ont dit, bah écoutez, renvoyez-nous le PC. Ils m'ont envoyé un bordereau de renvoi. J'ai tout remis dans son carton. J'ai ramené à un Carrefour Market. Ils sont démerdés pour l'envoi. Bon, après, j'ai dû attendre évidemment qu'ils le reçoivent. Sauf que le PC, ils l'ont jamais reçu. Apparemment, il s'est perdu. Ils ont ouvert une enquête avec Carrefour. Bref, c'était pas mon problème. Et ils m'ont dit, eh ben, on vous en renvoie un autre. J'ai reçu l'autre, celui-là. Il était nickel. Il y avait toute la RAM. Tout ça, tout ça. Ouais, des gens sérieux. Ouais. Et moi, c'est ça. Parce que même si, des fois, on me dit, ouais, mais regarde, même si tu prends LDLC, tu prends tous les composants, tu les achètes partout ailleurs, c'est beaucoup moins, enfin, c'est moins cher. Je dis oui, mais LDLC, je suis sûr que derrière, j'ai la garantie que j'ai pas de problème. C'est ça, en fait. Tu le payes, le confort. Et du coup, ça me stresse, moi. Je me dis, si j'ai le moindre pépin, je sais qu'ils vont pas me faire chier pour reprendre mon PC. Faut pas chercher à me dire, c'est vous qui l'avez cassé, machin, truc. Non. Alors, attendez, j'enlève les notifications. Vous me connaissez, hein, j'aime pas quand il y a des notifications partout. Bah, je préfère payer plus cher et être sûr de ne pas avoir... Bah voilà, moi, c'est ce principe-là que j'ai. Parce que je pourrais utiliser leur configurateur, acheter les pièces partout à droite à gauche pour aller au moins cher. Mais imagine, tu trouves une pièce chez LDLC, une pièce chez Grobil, une pièce sur Amazon, une pièce machin. T'en as une qui merde. Il faut trouver laquelle. Et tu vas la renvoyer à Amazon. Amazon, eux, ils disent, bah, contactez le marchand. Nous, ok, on vous rembourse, mais après, vous démerdez. Ou... Amazon, c'est pas le plus chiant. Mais là, c'est tout centralisé. Je leur envoie tout. Et je me fais pas chier. Ok, donc, les amis, on en était où? Lui, il veut que j'aide à trouver son frère. Je sais pas où il est. Mais je pensais qu'il était sur l'île. Mais pas du tout. Pas du tout. Regardez ici, nous avons Mordecai qui a pris une photo de ses pieds avec une petite truite arc-en-ciel. Alors, c'est peut-être un peu petit pour vous. Mais regardez, admirez juste là. La petite truite arc-en-ciel qui s'est enfuie juste au moment de son passage. A mon avis, son but était de choper ce poisson. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Et là, on arrive devant cet endroit. Ça a tremblé. Ah, merci pour le conseil. Pas de soucis. J'ai cru que c'était un serpent. Oh, le trap! Un petit trap sur le chat. Cri-paté. Voilà. It's a trap. Bon, lui, on veut pas descendre. Tu veux des pompes aujourd'hui? Non, j'en veux jamais de pompes. Mais après, c'est à vous de prendre soin de moi. Hein. Le gueule. Oula, c'est vachement beau ici. Hein. Pigeon. Oh, je peux pas. Oh putain, ça y est. 5 pompes. Je me motive tout de suite parce qu'il n'est pas 22h. On va y aller. Allez, c'est parti. Je suis motivé. Allez hop, ça c'est fait, merci, ça nous réveille un petit peu. On a eu des boîtes, est-ce qu'ils sont mieux que celles que j'ai? Des guettes guerriers, c'est les mêmes sauf qu'elles s'appellent Spartiates, je préfère. Oh, elles sont plus moches en plus. Plus c'est moche, plus c'est mieux. Le Patrick Bosso. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire ici au fait? Il y a 3 trésors. J'en ai fait 5 aussi, allez. On devrait se dire ça maintenant. Tout le monde fait les pompes dès qu'elles sont sur le chat. Wouah. C'est quoi ce coffre? Mais c'est quoi ce coffre les amis? Wow. The fuck. Ah ouais, waouh. Il est beau. Mais c'est pas un coffre qui a été créé à Athènes, même ici. Ici, il n'y a rien de...
Il y a des yeux et tout là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de l'époque là. On est dans un endroit futuriste. Est-ce que c'est un coffre à trouver? Oui. J'avoue que tu vas encore en voir. Moi je me doute. Mais je n'avais jamais vu des comme ça. D'où proviennent-ils? Que font-ils ici? What is to the question? Bon, arrêtez, c'est qu'une cheville. Où est-ce qu'il faut aller? Quand tu seras à la fin, je te dis. D'accord, ouais, ouais, pas de spoil, pas de spoil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Mon pigeon, il veut pas, il refuse. On va sortir. On va sortir pour que mon pigeon puisse les trouver. J'arrive pas à l'attraper. Et tout à l'heure, j'ai réussi à grimper. Pourquoi il veut plus? Merde. Plonge, on recommence. Ah, c'est bon, il est là. Oh, couteau à dépecer. Oh merde, oh non. Faut pas que ça s'écroule ici. Grotte de l'île oubliée. Grotte de la Corse. Non, pardon. Ce n'est... Tu as deux ou trois écrans? Deux. Ce n'est pas de ce monde. Arrête, qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai pas l'impression de pouvoir franchir cette porte. Il y a un truc derrière, non? Il y a une chèvre morte et tout. Attends, il y a un truc qui a tapé derrière. Non, je dis que je peux pas franchir la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Carte indisponible. Je peux rien faire, je suis livré à moi-même. À mon avis, il doit avoir une créature légendaire derrière, non? Cette quête. Ah, comment on sort de cet endroit de mes deux? Tu auras plus tard, d'accord. Ouais, donc j'ai deux écrans, j'ai un 27 pouces 144 Hz et j'ai un classique 24 pouces 60 Hz. Donc après ça dépend à quoi vous jouez, mais si vous êtes plutôt FPS, prenez un truc minimum 144 Hz. Bien pour avec moi l'ami. Pour dire d'avoir un bon rafraîchissement d'image. Ah, je peux me déplacer rapidement là-dessus. On va aller faire la quête de l'autre. Elle est où sa quête à lui? Là. Ah. Ah non, quête. Lui. Où est le frère de machin? Il est où ton frère? Ah, il est là-bas. J'ai pas de bateau. Et donc, de toute façon, quand tu streams, deux écrans minimum, t'es obligé. Après, je vais aussi me prendre une Switch normale pour stream dessus. Bah, tu peux streamer ta Switch Lite. Le problème, c'est que c'est plus un boîtier d'acquisition qu'il te faut, mais c'est un. Attends, une Switch Lite, tu peux pas du tout la mettre sur ton écran. Mais je pense qu'il doit avoir des appareils de capture aussi. Il suffit de pas prendre un Avermedia. Mais... J'ai vu le prix d'un Elgato. Ah, mais Elgato c'est très cher. Avermedia c'est un peu moins cher, mais c'est pas donné leur boîtier d'acquisition. Hein. Franchement. Il me faut un bateau. Je suis venu comment sur cette île? Je suis pas venu en nageant. Ah, y'a pas un bateau qui traîne? Sérieusement? Je vais pas nager jusque là-bas. 600 mètres. Bon prix pour un natationniste ou quoi? Il faut regarder sur du deuxième aussi. Ouais, il faut regarder de l'occasion. C'est sûr. Bon, après, tu vois, je n'ai acheté un 720p. J'ai pas été prendre un 1080p. Parce qu'il y en a beaucoup qui stream en 1080p 60fps. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai préféré prendre un écran 27 pouces et streamer en 720p 60fps. Parce que 720p, c'est déjà une très bonne qualité. Et c'est déjà une très bonne qualité et surtout beaucoup plus de monde peut le lire que le 1080p.
Et que étant pas partenaire, des fois vous pouvez pas changer la qualité. Et y a pas de bateau. Je peux pas me TP là-bas. Attends, c'est la ville d'à côté, ça. 34, 38. Mais je peux pas y aller tout de suite. C'est une quête niveau 14. Mais aller dans une région 34, 38. C'est pas normal. Après, tu risques. Et au péril à ce moment. Hein? Mais après, au risque et péril. J'ai pas compris ce que tu m'as demandé. Je peux pas aller là-bas, je vais me faire atomiser, non? Les pirates, ils seront niveau. Milliard. Bon. Ah ouais, c'est vrai que je suis là-bas, moi. Bon, sinon, je ferai. On va aller voir. Je vais aller sur mon bateau et on va aller voir. À une occasion, il faut tomber sur de bonnes personnes. Aussi. Parce que t'en as qui se gênent pas à le vendre parce qu'il va plus. Moi je l'avais pas pris d'occasion, moi j'avais pris celui-là, j'ai pris l'Avermedia LGP Lite pour streamer de la console, enfin tout ce qui est en HDMI. Alors j'ai acheté ça pour ouais, tout ce qui est en HDMI, donc ma PS3, ma Switch. Et j'utilise ça aussi pour... Les pirates ont emmené son frère. Il travaillera pour nous si on va le sauver. Une aire et de la sueur, les gars. Attends. Ramez comme si vous aviez Cerber sur les talons. Je vais stocker des trucs. Et je l'utilise aussi pour... en fait, j'ai des cassettes de vieux caméscopes de souvenirs familiales. Et du coup, je m'en sers pour les mettre dedans. Balance, je l'utilise. On va mettre l'arc. Et on va mettre casque du loup. Ces brassards-là. Le buste, on l'utilise. Donc le magnétoscope, j'ai acheté un boîtier qui passe de la Péritel en HDMI. Du coup, il rentre dans mon Avermedia. Mon Avermedia, il le met sur la télé et j'enregistre ma télé. Et du coup, je numérise mes cassettes, en fait. À vos postes de navigation. Où va-t-on, capitaine? Dans ton cul. Non, mais pas le truc dans ton cul. Hors contexte. allez. Déployez la voile. Oh, y a des dauphins. On l'a éclaté, le dauphin. Les cassettes, c'était tellement bien. Ouais, mais ça se démagnétise avec le temps. Les cassettes, plus elles vieillissent, plus la qualité se dégrade. C'est pas éternel. Comparé à un fichier numérique. T'as déjà vu une grosse bête dans l'eau? Non. Pour l'instant, je vois un milliard de bateaux. Garou, ils se foncent dedans. Ils sont potes, ils se foncent dedans. Il y a que les navires en noir, les ailerons noirs qui nous en veulent. Comment ça se passe? Oh, il y avait un bateau là. Bordel. Un Iron. Il y a que les voiles noires qui peuvent m'attaquer. Du coup, il y en a eu d'autres, non? Bon, complètement loupé. Il m'a cherché là, on est d'accord. YOLO! Mais ouais, mais les lances, vous mettez 1000 ans. Il s'apprête à nous éprôner. Sentez ce vent. On peut repêcher ça. Impossible d'aller plus vite, capitaine. Les lances. Capitaine, il cherche à nous éprôner. Nous sommes à toute allure. Lâchez-le. Merde, y'a un de ses potes qui s'est rendu.
toucher en position. De retour en Ossur. Plus vite. YOLO, ça va marcher. Allez, plus vite. Allez, un petit abordage. Suivez-moi. Pour bien commencer cette soirée. Do it! Just do it! Aïe! Il va mourir ou pas? Est-ce qu'il meurt noyé? Ah, il meurt noyé là! Oh, c'est horrible à regarder par contre. J'ai horreur de voir les gens se noyer. Allez, le coffre en se barre. On l'a fait, on l'a fait. Do it. Une vieille lance de merde. Allez, on reprend la route. Voilà, petit abordage pour le fan. Allez, on les a pété le cul, on peut y aller. Si le YOLO a marché. YOLO, je l'ai même pas entendu. Le fun avant tout. Oui. Oui, bien sûr, pour la main, pour dire de s'entraîner. Alors. J'adore les chants. Le capitaine est parti. Vous êtes libre jusqu'à nouvel an. J'ai plus mon lion en fait. Dans Origin, quand on faisait un TP rapide, on perdait notre animal. Parce que mon lion, il va être là quand je serai à terre ferme. Donc là, on fait gaffe parce qu'apparemment, il y a des pirates. Il va revenir. Parce que mon Lionel, s'il revient pas, peu de chance de gagner. Ils sont niveau 14, très bien. On va leur péter le cul. Il y a que ça. On va passer par la droite. Ah ouais, mon lion, il est là. Cet endroit sera en alerte. Oh, ça va être dur de les appâter. Non. Il y a un lion. Ou pas, mais il est sourd lui, le grand là. Il est sourd, le grand dadé. Ah là, ça y est, on m'a entendu. Viens, camarade. Putain, non seulement il est sourd, mais il va même pas au bon endroit. Ah si, viens. Allez, viens, camarade. Viens ici. Oh, t'auras un beau critique, toi. Ouh, le 10 000, le premier 10 000, les amis. Vu ou pas? Y a quelqu'un? Non, je suis un lion. C'est Lionel. C'est Lionel, c'est tout. En fait, me faut un bon PC car j'aimerais jouer en stream avec des jeux comme Valhalla en 1080p 60fps pour avoir une bonne qualité. De stream? Tu veux streamer en 1080p 60fps sur Valhalla? Bah déjà, si tu dois économiser 2 ans, Valhalla sera sorti depuis 2 ans. Mais il te faudra une sacrée bécane. En fait, généralement, les gens qui streament les jeux en ultra machin, donc ils ont un énorme PC, déjà de base. Mais si tu regardes tous les gros streamers, en fait, ils ont deux PC. Ils ont un PC uniquement pour l'encodage du streaming et un PC pour le jeu. Le PC pour le jeu, donc ils mettent des cartes graphiques de ouf et tout. Et le PC de streaming, ils prennent un processeur de ouf pour. Parce que comme ça, ils peuvent pousser à fond l'encodage de processeur. Le PC, il sert qu'à ça, qu'à encoder le truc. Et entre ça, il y a un boîtier d'acquisition 1080, quoi. Donc le jeu que j'aime bien. Ouais, mais 1080-60 FPS avec mon PC là, je peux pas le faire avec le jeu en bonne qualité.
Je pourrais, mais je mettrais le jeu en normal, voire en faible. Oh, il y en a un là-bas, je l'avais pas vu. Et personne voit le lion dans l'herbe là ? D'où ça venait ça ? Allez, viens. Plus modiolo. Mais non, regarde. Allez, je les attire un par un. Qu'est-ce que je suis ? C'est un lion qui siffle. C'est un lion siffleur. Parce qu'il a mangé un oiseau. Regarde, il voit un lion, ça l'inquiète pas. Oui, c'est un petit peu plus long, mais au moins. Au moins, on se fait les pirates tranquilles ou bilou. Allez hop, j'arrive, hein, je te libère, je prends juste la quête avant, le coffre avant. Oh, une meilleure ceinture apparemment. L'île des pirates explorée. On est des meilleurs bottes. Ah oui, c'était des dégâts du chasseur, c'était pas terrible. Et une meilleure culotte. Non. Pas du trou. Pas du trou, Jacques. C'était long. Mais c'est à notre aise. Pourquoi prendre des risques alors qu'on peut tuer tout le monde facilement? Allez, viens. Il faut que je le ramasse. Mettre la personne en sûreté. On lui dit quoi? Va rejoindre ton frère, casse pas les couilles. C'est ton frère qui m'envoie. Ah, celui-là. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Faut prendre des risques. Je suis dans quel état? Dans la vie, si tu peux éviter les risques, tu les éviterais. Genre, t'as deux rues. Voilà, t'as deux rues. T'en as une noire. Il fait noir. Elle est délabrée. Et tu vois 10 loupards comme ça, avec des pattes de baseball et tout, à ta droite. Et à ta gauche, t'as une rue éclairée, avec des gens occupés de boire un coup au bar, etc. Et les deux chemins mènent chez toi, tu mets le même temps. Tu vas prendre quelle route dans la réalité? Dis-moi. J'attends même pas ta réponse, parce que toute la logique voudrait que tu prennes la route la plus safe. Eh ben, je fais pareil. Je fais la chose la plus safe. Et si ça marche pas, bah YOLO quoi. Tu t'en remettras. Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère? Dis à mon crétin de frère que je... Il va crever avant. Oh putain, mais quel naze. T'aurais pu attendre avant de crever. Quoi? On le ramène. Viens, on le ramène à son frère. Je peux pas nager avec un corps aussi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mec, t'es sur une île, tu vas courir en rond. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est exactement ça. Oh, j'aimerais trop lui ramener son frère. Attends, on va essayer de lui ramener son frère, les gars. Objectif secondaire non officiel. Attends, si je vais dans l'eau avec quelqu'un sur moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va le lâcher? Ouais, totalement. Ah, je peux plus le reprendre. Oh merde. Oh merde, il se met à saigner. Mais les vagues, elles le ramènent pas. Attends, on va essayer de le ramener avec les vagues. On va essayer de le ramener. Oh, la déception est grande. Attends, pourquoi il me montre deux coffres dans l'eau? Il y a une grotte. J'arrive pas à le ramener sur le bord. Ah, attends, il y a un rocher. Je pourrais peut-être le ramasser en étant sur le rocher. Mais casse-toi le lion! Il veut que je le relâche. Ah oui! Ramassons-le. Ah, mais comment monter à bord? C'est pas possible.
Attends, y'a pas un petit bateau? Oh, y'a un petit bateau. Vas-y, reste là. Reste là, monsieur. Mange du poisson, j'arrive. Je veux ramener le corps à son frère. C'est là qu'il y a un truc bonus qui s'active, tu sais. Allez, grimpe. Oui. Lâche-le. Voilà, maintenant il faut pas qu'il tombe. Enfin, il marche arrière avec le bateau. Allez. Allez. Il y a des coffres sous l'île. Hein. On va pas aller les chercher, c'est pas important. J'aurai un stuff que je vais changer dans 2 minutes. Rendre compte au charpentier. Ah, mais attends, le con de charpentier il est avec moi. Ah merde! Le charpentier il est plus sur son île aussi. Pourquoi tout le monde prend en photo cette île? What? Ah, spoil! Pas moyen de remonter à l'arrière le bateau, un truc comme ça. Ce serait idiot d'aller en eau profonde là-dedans. Je sais, mais je... Oh non! Ah! Le corps il glisse. Bon bah tant pis. Ce n'est pas réalisable. On va lui dire que son frère est dans la chaloupe, juste là. Tu as trouvé mon frère? Où est-ce qu'il est? Dans la chaloupe. Il est mort, hélas. Il n'a pas survécu. Je regrette. Oh non, non, non! Je vous maudis, Dieu cruel! Il n'y avait pas de dieu sur ce bateau, seulement des pirates. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner. Il détestait la mer. Pour ça qu'il l'a traité de crétin, peut-être. Tenir une lance m'aide souvent à oublier ma peine. Si tu es prêt à tenir parole, nous te donnerons un marteau. D'accord. Il n'est plus rien qui me retienne ici. Après aussi, au passage, Iron, pour streamer en bonne qualité, il faut aussi une bonne connexion. Parce que tu me dis souvent que t'as une connexion de bras. Je préfère te le dire. Alors, quête suivante. Enfin, quête suivante. On a dit de finir Focus avant de faire quoi que ce soit. Il y en a encore des choses à faire ici. On a un lieu non découvert, là aussi. On a une quête secondaire. On a des lieux non découverts là-haut. Ah, on n'a pas fini ce lieu. On n'a pas fini. Arrêtez avec vos photos. Zone de gameplay. T'es encore là, Iron? Ah oui, t'étais parti, me semble. Je disais, il te faut une bonne connexion aussi pour pouvoir streamer comme il faut. Parce que quand je viens de voir sur tes streams, la qualité elle est pas trop au rendez-vous là, sur ta PS4. Enfin, c'est très regardable, hein, mais c'est pas de qualité. Je parle d'image. Hein. Chez ma mère, j'ai une bonne connexion, d'accord. C'est PS4. Ouais, mais même PS4, il y en a qui stream sur PS4, mais il faut envoyer du lourd au niveau kilobyte. Allez, viens, noble animal. Allez, viens. Oh, ils sont tous là-haut. Oh, on aura de l'escalade là, les gars. Mais pas une pro. Ah, tous les streams de PS4 pas pro, c'est comme ça. Passons stream. Pour streamer, il faut streamer sur un PC. Même si tu joues sur console, il faut passer par un PC pour streamer. Les consoles, elles arriveront jamais à streamer un truc correct. De toute façon. Et j'ai un vieil écran. L'écran fait pas du tout le stream. Tu peux streamer sur un vieil écran parce que tu peux modifier le rendu. Bon, ça va encoder plus. Hein. Mais tu vois, moi là, j'envoie du 720p et je suis sur un écran. En fait, je suis sur un écran 2K en soi. Et je. Mon encodage retransforme ça en 720p. Donc ça bouffe, mine de rien. Donc j'ai que HD max. D'accord.
Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici? C'est un camp de bandits? C'est quoi? Mon Lionel, comment il va monter? Ah merde, il y a un... Ah non, il est plus bas. Arrête. Qu'est-ce que t'as vu par là-bas? Ah putain, il envoie des choses. Ah mais le temple du serpent l'a déjà fait. Alors HDR normalement. Ok. D'accord, bah j'y connais pas grand chose en streaming sur la console. Il me voit? Oui, il me voit. Je dois me montrer plus prudent par ici. Allez, viens voir madame. Que je te bute. Ah, va me voir. Elle va carrément décaler et me voir. Ah, vite, 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 vite. Oh merde. Oh la discrétion. Do it. Oh le premier Just mille en... Do it. En combat classique. On va le faire. Pas besoin de mettre do it. On va le faire facile et... Ah merde, j'ai fait un critique, j'ai pas besoin. Une canne de pâtre. Lionel, ouais, Lionel il l'a bouffé. Elle m'entend pas. Elle m'a entendu, c'est bon. Qui va la chasse? Alors je la one shot ou pas? Ouais. Il faut avoir l'œil hein, pour savoir si on one shot comme ça, rapido, en un coup d'œil là. Allez malaka. Un lion contre un loup. Un louloucoptère contre un Lionel. Ça fait mal de tuer des animaux. Oh. On peut pas lui ordonner d'attaquer mon loup? Mon Lionel. Ils viennent pas. Eh hey, je vais pas siffler le pont de la rivière Kwai pour que tu viennes hein. Ramène ton boule. La dernière fois j'ai buté un level 94 alors que je suis level 87. J'ai réussi grâce à tout avec crédit. Il y a des niveaux 94 dans le jeu. Bon, allez on va one shot le loup. Oh merde. Bon bah combat normal on va dire. Tu arrêtes. Allez lion contre. Allez Lionel il a gagné. Wouah. Ce coup de... Oh, vous avez vu cette droite qu'il lui a mis? Oh, Lionel, ce qu'il a mis. Ah, c'est fort, un lion. Ah, c'est fort en chocolat. Hein. Oh, putain. Dégâts de guerrier, ça m'intéresse. C'est dégâts à la massue lourde. Ça, on s'en bat les couilles, frère. En casque, on a quoi de beau? Ah, oh, ça doit être tellement moche. Et en bras, c'est le niveau 16. Jusqu'à 99, d'accord. Lion. Ah oui. Oh putain mais c'est fort un lion. On aurait pu me prévenir. J'ai repris ça dès le début. Ce coup de patte de l'espace. Il a fait... Yala. Alors par là-bas, il y a un lieu non exploré. Donc on va le faire et après on se retépera ici pour aller faire celui-là. Alors il faut redescendre maintenant. Bientôt le level up. Ouais, niveau 16, ça y est, on pourra débloquer des trucs. On a des nouveaux sorts. Allez Lionel, on y va. Je vais être triste quand on va perdre Lionel. Si on le perd un jour, évidemment. Alors, dès que Lionel il meurt, on désinstalle le jeu. Bon bah on va aller. Ouais c'est le Lionel 1.0. On a eu tous les animaux 1.0 là. Non, quel animal on n'a pas pris par rapport à notre niveau d'adoption là? Mon poney. Yes, mon poney. Mais c'est qu'un lion. Allez, t'inquiète. On y va. Allez on va lui faire faire. Y a pas de route. Merde. Faut descendre encore. Ah on est déjà passé là-bas. Cette stature renversée là.
un léopard, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Wow, wow, merde. Wow, pardon. Pas de route disponible. Mais si, là. Il est juste là, tu te fous de ma gueule. Et l'ours, mais voilà, tu peux pas... Non, l'ours, je peux pas encore. Mais bon, après, ça m'embête parce que je veux me la jouer un peu réaliste. C'est-à-dire, les sorts de discrétion, on devient invisible et tout, c'est un peu gros. Mais avoir un ours avec toi, quand tu siffles et que le gars dit « qu'est-ce qui se passe ?» et qu'il y a un gros ours ou un lion et qu'il le voit pas, c'est un peu débilo. On va croiser un mercenaire, tiens. Mercenaire découvert, mais il m'en veut pas. C'est bon, on va me laisser tranquille. Léo vient, c'est pas mal. Mon Léo vient, au lieu d'un léopard. C'est pas mal, bah dis donc, t'es en forme ce soir? T'es en forme de bonnes idées? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un camp. Ok, il y a une tablette, il y a... Ok. C'est assez exposé, c'est sur une colline et tout, ça va être chiant à filtrer ça. Là, il y a des herbes. Allez, mon Lionel, on y va. J'étais encore un gamin quand j'ai quitté la maison. Triste, non ? Raison 7, hein, dans mon cerveau. Ma mère pourrait nous cuisiner. Qui peut faire ça ? Bah, vas-y, comme par hasard, là, tu m'entends. Ah, c'est bon. Qui peut faire ça ? Bah, le lion qui est juste là. Ah, c'est exé. Y a aucune exé cool. Bordel, qu'est-ce qu'elles sont? Hardcore. Oh, ils bougent pas, ils sont chiants. C'est qu'il y a un animal de compagnie là. Hey, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Mais il va chercher où cet idiot? Lionel le siffleur. Mais c'est ça. C'est le Lionel qui siffle. Bon, Lionel, tu devais te faire le chien. On avait dit je fais l'archer, tu fais le chien. T'as abusé, Lionel. Hein. Ouh. Non, reste, va là-bas. Va. Ta mère, elle t'appelle. Oh merde, il y a... Je suis trop tendu. Quoi? Il y a le perroquet qui vient de passer devant moi là. Lion, Lionel, arrête. Ils m'ont vu moi ou le lion? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils bug, ils font le tour. Ils m'ont vu moi? Aucun mouvement. Il vaut mieux que j'aille voir. Oh non, touchez pas à Lionel. Non, mon Lionel, non. Oh putain. Non, non. Oh, il a failli mourir, mon Lionel. J'ai eu tellement peur pour toi. J'ai eu tellement peur pour lui. Oh, il lui restait un poil de chatte. Là, c'est un poil de chatte, hein. C'est un félin, donc on dit un poil de chatte. Wouah, j'ai peur. Mais les patates de forain, pas de lion qui met. C'est hallucinant. Il manque un trésor, il est où? Il doit être là-haut. Ouais. Il est bien là-haut. Une ceinture de voyageur, niveau 16. Ah bah on a level up. Il avait pas eu. Après je sais pas comment je peux me faire pendant mes grandes vacances. Ça te veut te voir, hein, mon ami. Alors attends, c'est simple. Je vais perdre des dégâts. Je vais perdre des dégâts à mettre ça. Et en armure. Est-ce qu'on voit l'armure? Et je vais perdre de l'armure aussi. C'est vrai que c'est marqué en dessous. J'ai jamais fait attention. Allez, on est niveau 16. On a débloqué un milliard de choses. Alors, on a débloqué quoi? Ici. Aptitude d'assassin. Réduction du bruit de déplacement et d'assassinat. Ça c'est bien parce que on devient juste plus fort. Déplacement plus rapide que celui d'Hermès. Ok.
car le temps est ralenti. Ça, c'est pas très réaliste. Les ennemis éliminés par assassinat disparaissent automatiquement et ne peuvent être détectés par personne. Ça, je prends pas, parce que c'est hyper pas réaliste. Mais ça, ça me plaît. Ici, on a quoi? On a le truc de feu. On a une attaque de guerrier. Attaque très puissante, variant selon le type d'arme. Nécessite 3 segments d'adrénaline entiers. Oh, ça doit faire super mal aussi. 5 attaques contre un seul ennemi infligeant chacune. Non, on va prendre ça. Tous les jours ça. C'est très très fort. Alors, est-ce que je peux améliorer les autres trucs? On peut améliorer les autres trucs, les amis. Alors, on peut améliorer ça. On améliore les assassinats tous les jours. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut. Ça, on pourrait aussi. Ou ça. On a des dégâts de guerrier de 30%. Ça, on prend. Voilà. Voilà, on a plein de trucs à prendre. Content. Même ça, là, sinon, on pourra prendre. Ah non, pas ça. Pas ça, non. Je te conseille au milieu le premier haut. Celui-là. Un accélérage survient, toutes les attaques infligent 20% de dégâts pendant 10 secondes. Ah, c'est pas mal ça. Toutes les attaques ennemies sont non létales. Ah ouais, je peux pas mourir sous cette rage. C'est intéressant. Mais il y a trop de façons de jouer. C'est un peu chiant même, parce que je sais pas me décider. On n'avait pas vu encore une quête secondaire? Si, si. On va aller chercher la quête secondaire. Pourquoi? Parce que des fois la quête secondaire me fait aller dans des camps que j'ai déjà fait. Et donc c'est pas très opti du coup. Donc on va aller faire la quête secondaire là. C'est quoi ça déjà? Ouais, on va aller faire la quête secondaire ici. Voilà, pour ça on va se taper là. Ah merde, je suis dans un lieu interdit. Dans une zone interdite, zone interdite. C'est bon, j'ai vu que j'ai level up. T'arrêtes tes bêtises. Oui, mais aussi celui qui redonne de l'adrénaline. Alors tu en as bien besoin. Il y a un sort qui redonne de l'adrénaline. Je vais regarder. C'est vrai que quelquefois je suis à court d'adrénaline. Il est vrai. C'est bien vrai ce que tu dis. Juste des... Ah, c'est lequel tu dis? Attitude. Ça? Non. Génération de 3 segments. Ah! 5 attaques contre un seul ennemi infligent chacune plus de dégâts et ça génère des choses. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas lu le début du truc. J'ai recruté qui de plus? Ah oui, l'autre! Tecton. Blindage. Ouais. Bah non. Qu'est-ce qu'on prend plus? Est-ce qu'on prendrait pas, on ferait pas un peu plus de dégâts? Ah, ou ça on booste, c'est pas mal. On garde pour la coque, ma coque va bien. Plus 10% de dégâts. Volée de flèche. Tomate RT pour les lanciers. 5% de temps de rechargement, ouais, on va améliorer ça. Un petit peu. Ça bouffe, hein. Les deux. Téton blindé. Les volets. Les volets. De quoi les volets? Les volets. Il y a un truc qui s'appelle les volets. Allez, bras zéro, il faudrait que je les prenne ou je les débloque au moins. Un peu du poids encore. J'ai menté pas assez les trucs pour améliorer là. Allez. Je cherche trop à faire de l'argent en ce moment. Cheval. Détruit les armes. Ouais, 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 ouais. Il faut que. Je verrai par la suite. Je verrai, je verrai. C'est pas urgent pour l'instant. J'ai pas de. J'ai pas de mission navale ou autre qui me bloque ou que je galère, tu vois. Là, je dépense juste parce que j'ai des choses. Je veux devenir entrepreneur dans Odyssée. Why not? Why not? Why not?
Oh ouais. Tu sais ce qui serait pas mal dans Valhalla ou dans les Assassin's Creed en général, c'est que les mercenaires puissent être des autres joueurs. Genre tu vois une option jouer un mercenaire, tu rentres dans la partie de quelqu'un parce qu'il est recherché. Et en fait, il y a plein d'indices qui t'aident à le traquer, à le retrouver et tout. Et en fait, tu fais un duel contre le joueur. Ce serait vraiment excellent comme principe. Tu as très mal ou un peu? Je ne sais pas. C'est un médecin. Un ours t'avait mordu? Ça devient en ligne alors. Ouais, mais juste ça. La douleur va partir. Tu peux choisir de te mettre en ligne ou pas. Il faut que tu lui fasses peur. Si tu rugis comme un lion, elle s'enfuira. Très bien. Maintenant, rentre. Genre, tu vois un truc qui dit que les quêtes te donnent plus d'argent et plus d'expérience si t'es en ligne. Mais il y a des joueurs. Mais dès que t'es recherché par des mercenaires, des joueurs peuvent venir t'attaquer. Tu dois être Mystios. Tu viens te faire soigner. Lycaon, ça me parle. Non, mais j'aime la manière de soigner les gens. Ah, on peut faire une romance gay. Très bien. Bon, je vous le dis, encore une fois, je n'ai rien contre les personnes de même sexe qui s'aiment. Mais quand je joue à un jeu de rôle, je me mets à la place du personnage. Et moi-même, Paradox et Palexios, nous n'aimons pas les hommes. Jouer un rôle au lieu de soigner. Moi, quand je suis blessé, je m'adresse à quelqu'un de sérieux. Les dieux et les remèdes qu'ils nous offrent sont sans effet si le patient n'a pas d'espoir. C'est le meilleur traitement que j'ai à offrir. Et pas bien. Oui, c'est une méthode. C'est pas une question de pas bien. Pas moi. Simplement. À ce propos, mes patients ont besoin de Mandragore. Il en pousse près d'un ruisseau, au sud-est d'ici. C'est pas y aller. Occupé pour y aller. Ah bah tiens, bien vu. Pas petit sang surtout. Une meute de loups vit près du ruisseau. N'aie crainte, je te paierai pour tes efforts. Tu sais parler aux Mystios, toi. Tu n'as besoin que de cette mandragore. Pour l'instant. Il y a un autre truc. Rapporte-la-moi et je la préparerai pour mes patients. Ensuite, nous verrons. Non, c'est dans Vokil Studio. Non, mais évite de citer. Iron. Je vais t'expliquer. Quand sur internet, tu dis quelque chose de mal, et que derrière tu dis, mais non, c'est parce que c'est lui qui l'a dit, ou que tu dis, c'est pour rire, ou que tu dis, ah, mais c'est parce que je fais genre, je suis homophobe. Ça passe pas, tu l'as dit, ouais. Moi je m'en fous, je sais de quoi tu parles, mais fais attention. Même si tu cites quelqu'un, voilà, je vais pas commencer à citer quelqu'un avec une moustache. À dire plein d'insanités sur les personnes qui seraient de religion juive par exemple, et en disant non mais c'est parce qu'il l'a dit, je fais juste dire ce qu'il a dit, tu vois, ça passe pas. je vais te rapporter ces herbes. On va aller buter des loups au mon lionel, oui, il va casser des gueules au nord-est de Kira. Elles ne sont pas encore en fleurs, mais les feuilles sont d'un gris vert caractéristique. Merci. Oh, elle est où sa quête là? Oh, on m'a dit que c'était pas très loin près d'un ruisseau. J'allais acheter un BLC mais trop tard. Trop tard. Oh, c'est vrai que. Bon, c'est un soigneur en soi. On va l'aider. Il essaie de faire du bien. On fait du bruit, mon lion. J'espère juste qu'il fait pas payer les gens une fortune. Lycaon a dit que je trouverais ces herbes près d'un ruisseau. Ça devrait être ici. Oh, ils sont combien? Ah, Lionel, mais fais gaffe! Mais Lionel, il y va, lui, il peur de rien. Lionel, fais pas le fou! Non, Lionel! Lionel, ils sont trop! C'est pas le dingue! Oh, je sens que Lionel il va y passer! Oh putain, Lionel il est mort, je crois. J'ai entendu un. Lionel. Oh non, il est là! Oh! Ah, tu peux ranger ton point d'exclamation pleure, il est pas mort, c'est bon. Oh, j'ai peur. Tu m'as fait peur, Lionel? C'est ça qu'il faut cueillir? Non. Allô, maquette. Nice. Un soigneur de pacotille, peut-être. Vas-y, mais ça ressemble à quoi une mandragore?
Là. Ce sont les herbes que m'a demandé l'Icaro. Oh, j'ai failli relâcher l'animal, mais... Allez, on cherche les herbes. Hop. Arrête, le lion, il passe devant moi, il est relou. Allez, j'ai ramassé assez de mandragore. Il est temps de retourner voir ce médecin. Tu as exactement deviné mon point d'exclamation. Bah, je me doutais. Ah, je l'aurais préparé aussi. J'aurais fait pareil. Comme dans Harry Potter. Bah oui. J'ai la carte. Tu sais, j'ai pas la carte qui montre où sont les gens dans l'école. J'ai la carte qui montre ce que font les gens. Et ça, c'est mieux. Allez, on va dire cette quête là. Et je vais faire une petite pause. J'ai soif. Tiens, j'ai trouvé tes herbes. Merci. Je vais les préparer pour mes patients. Pourrais-tu attendre un moment ? D'accord. Pourrais-tu les apporter à mes patients ? Non mais je vais faire livreur maintenant. Et ma paye ? Il me semblait avoir apporté plus d'herbes que ça. J'en ai gardé une double dose pour ma grand-mère. Je la lui donnerai bientôt. D'accord. Bon, je vais aller porter le reste. Mais si. Merci. Tous mes patients sont à la Cora de Delphes, ou à proximité. L'un sera aux enclos de bétail, à l'ouest. Un autre bâtit une maison à la bordure nord-est. Et la dernière travaille au champ, au sud. Reviens dès que tu auras terminé. Ne t'en fais pas, je vais les trouver. Et là, il y a l'oracle. D'accord. Bon, avant d'aller apporter ça à tout le monde, on va se faire une short pause. Je mets une petite pub pendant mon AFK qui permet d'apporter genre 3 centimes par mois et qui permet après de vous faire des petits cadeaux. Wesh, on est livreur de pizza. Wesh. Allez, à tout de suite, dans moins de 10 minutes en tout cas, ça c'est sûr. We'll be right back.
Rebiloud. Oh. Oh. Mais qu'est-ce donc? On dirait qu'Iron Maier. Surprise, motherfucker. A donné des blabla coins pour faire appel. Mais mon changeur de voix, il va plus. Ah. Au grand livre des gros mots avec la lettre V. V. A, B, C, D, E, V, 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 V. V. Alors, on avait eu ça. Ah, j'aime bien ça. Un nom féminin, pluriel. Les valseuses. Ah, j'aime bien dire ça en plus comme. Comme les jeunes femmes qui s'élancent sur une piste de danse en se mouvant harmonieusement. Les valseuses représentent les testicules qui bougent au rythme des activités de leur détenteur. Excellent. Synonyme, bobon, burne, couille, glaoui, grelot, joyeux, joyeuse, joyeux, joyeuse, noisette, œuf, olive. Après le coup terrible qu'il venait de recevoir, il se tenait les valseuses en se roulant par terre. J'adore utiliser le mot valseuse pour parler de mes couilles. Comme un vélociraptor. Quoi ? Ah, j'ai mes oreilles qui grattent. J'ai de grosses valseuses. Je m'en bats les valseuses. Tiens, ton médicament. Nikaon t'a préparé ce remède. Merci. Tu vois, je prends soin de ces bêtes. Comme et ça, Nikaon je m'en fous. Prend soin de moi. Dommage qu'il n'ait personne pour veiller sur lui. Si, il y a moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses parents sont morts très jeunes. Sa grand-mère l'a élevé, mais ensuite... Bon, les couilles, frère. Elle n'est pas née sous une bonne étoile, disons. Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Et qu'est-ce que tu veux que ça, je fasse? Je n'en doute pas. Je crois que je vais quoi? Je vais l'adopter. Ah, je peux rien, moi. Ah, forgeron. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des sous. On va acheter. Allez hop, allez hop. Plein de thunes. Oh, oh. Et si on a carrément de meilleures bottes, pourquoi on les met pas? Merci d'être venu. De rien. On a combien de thunes du coup? Presque 7000. Oui, je sais, t'es millionnaire. Je serai millionnaire aussi. Claquette oh, chaussette, magnifique. Grave des trucs aussi. Mais non! Je les graverai quand j'aurai un stuff de ouf. Lycaon t'offre ses herbes. Oh merci. Ce médecin est si attentionné. Elle était si millionnaire dans le jeu, hein, pas en vrai. Dommage qu'il ait choisi de ne pas se marier. Pourquoi ça? Oh, il prétend qu'il ne veut pas imposer ses tracas à une femme innocente. Peut-être qu'il est gay. Je préférerais qu'il m'avoue franchement que je ne suis pas son genre. Ah. Je me demande pourquoi il dit ça. Moi, je suis ton genre si tu veux, madame. Non? Portez le remède au villageois. Allez, le dernier. Nu, nu, nu. Je t'embête. J'ai une grosse valseuse. C'est ça. Vous voulez toucher mes valseuses? Alors, c'est lui qui bâtit sa maison. Lycaon te salue. Oh, c'est le remède qu'il m'a promis. Merci. Dis-moi. Hein? Comment était-il? Il a ses yeux bizarres, lui. On dirait un petit singe. Il se promène en marmonnant à toute heure du jour et de la nuit. Il a l'air inquiet. Je devrais lui apporter des douceurs. Ça lui ferait du bien. Je suis certain qu'il en serait ravi. Ouais, je m'en fous, moi j'ai rapporté les médocs. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec lui? On va j'ai pas lui en parler quand même. Je porte le remède à tout le monde. Apparemment, beaucoup de gens s'inquiètent pour toi. Merci. Je dois apporter le reste du remède à ma grand-mère, Praxitea. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à chez elle? Il a peur.
Je crois que j'aurai besoin de ton aide. Oui. J'aimerais savoir ce qui se passe là-bas. Merci. Il doit se faire menacer ou un truc comme ça, lui. La maison de ma grand-mère est par là. Merci de m'accompagner. Putain, combien de traces ? Pourquoi je marche ? Pourquoi tu me demandes ça ? Si quelqu'un fait preuve d'impiété au point de nuire aux gens autant qu'aux dieux, tu penses qu'il mérite d'être puni ? Praxitea a fait quelque chose ? Pourquoi des fois je marche ? C'est chiant. Pendant des années, elle a menti à ceux qui veulent la voir. Oh, sa grand-mère, elle a menti. Oracle ? Oracle ? Oui, sur la montagne. Bon ? Elle m'a avoué récemment. Oh, il y a un ours là-bas ? Pourquoi il y a un ours ? Il y a un ours dans les oliviers ? Ce qu'on avait chargé de dire. Des gens mal intentionnés, forcément. Oui, tout à fait. Ses paroles ont déclenché des guerres. Elle ne peut rester impunie. Ma famille à moi a été déchirée par une fausse prophétie. Si c'était l'une des siennes. Oh putain! Vous imaginez, c'est elle qui a dit qu'il faut tuer Cassandra? Même si elle est pas morte? On l'a su au dernier stream. Tu joues manette Xbox ou DualShock Xbox? 15 balles sur Amazon. Et j'avoue que la prise en main, je la préfère à la DualShock. Je dis pas qu'elle est pas bien la DualShock, mais. Je préfère. Va-t'en, Lucaron. Je sais ce que tu comptes faire. Tu ne feras qu'ajouter à la honte de notre famille. Je n'en ai pas envie, Agave. Mais au nom de la justice, Praxitea doit mourir. Ça ne relève plus de nous. Des hommes étranges sont venus au village aujourd'hui à sa recherche. Je les ai conduits ici. Attends, il veut tuer sa grand-mère ou la soigner? Je comprends plus. Comme justice. Tu ne peux pas comprendre. C'était une vieille folle impie. Désormais, nous n'avons plus à nous en inquiéter. Et qui es-tu d'abord ? Alexios, j'ai été victime d'une fausse prophétie. C'était peut-être l'une de celles de votre grand-mère. Si on ne la retrouve pas, on ne pourra plus rien faire. Aide-moi à découvrir où on l'a emmenée. Je chercherai les indices. Que voulais-tu que je fasse ? J'aurais dû être choqué quand j'en ai quatre. Tu as parlé de la tuer. Une solution s'est préparée. Ouais, je sais pas comment on peut... Ça ne devait pas se passer ainsi. Elle est ma responsabilité. Je sais pas si par la avec une DualShock... Tu peux connecter au PC facilement. Je sais pas comment ça marche. Praxitea a dû perdre ce bracelet en se débattant. Ah, il l'aurait enlevé carrément. Un voleur ordinaire n'aurait pas laissé sur place un objet aussi précieux. Ouais, donc c'était pas pour voler ses affaires précieuses. Qu'est-ce que t'as senti Lionel, il a senti un truc, je crois. Bluetooth, il faut. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, mais je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Je vois rien. Ah, lui, un témoin. Il s'est passé quelque chose d'étrange par ici ? Ah, tu tombes bien. Oui, quelque chose de très étrange. Des brigands dans la ferme de ma cousine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont chassée de chez elle. Elle ne peut plus rentrer. Ils ont installé un campement et ils sont armés et dangereux. Intéressant, ça. Où est-ce qu'elle habite ? Dans ton cul. Pas très loin, à l'ouest. Mais si j'étais toi, je me méfierais de ces brigands. Merci du conseil. Nala ? Nala, qu'as-tu senti ? Quoi ? Pourquoi tu m'as mis Lana ? Nala ? Ah, il y a encore un témoin, il y a encore un truc, là, quoi. J'ai loupé un truc, mais je trouve pas. Vous avez vu un truc, vous ? Je suis plus dans la zone. Je suis dans la zone. C'est lui qui court comme un débilo qui dit ça ? Mais bordel, qu'est-ce que je loupe ? Au-dessus de la maison. Mais j'y étais tout à l'heure, il y avait rien. Pourquoi il y aurait un truc au-dessus de la maison ? Ah. Ah là. Il y a un bras zéro, on dirait. Ça ressemble à un contrat.
Apportez le paquet à l'endroit convenu et sans l'abîmer. S'il s'agit de la grand-mère de Lycaon, elle devrait un être un gros en paquet. Vie. Bon, Lyon, arrête d'être dans mes pattes, là. C'est bon, je sais où aller. Praxitea a été enlevée et conduite dans une ferme à l'ouest. Les bandits ont reçu l'ordre de l'amener vivante. Toujours prendre de la hauteur, merci, c'est vrai. Enquêter pour moi, Alexios. Tout à l'heure, je l'avais fait. Je suis pas stupide. Mais j'ai pas fait la détection. Ta sœur a mis Praxitea en grand danger et tu m'as demandé si j'avais déjà tué quelqu'un. Tu veux que je mette fin à ses jours ? Non. Il faut que ce soit moi. Je dois la tuer. Bon écoute, frère. Tu es un médecin, pas un meurtrier. Si tu veux que je la tue, dis-moi. Tu n'es pas un tueur. Moi, si. Si elle est réellement coupable de tous ces méfaits, tu devrais me laisser m'en occuper. C'est ma responsabilité, je ne veux pas qu'elle souffre. C'est pour ça que je t'ai demandé de la mandragore. Bah, je vais pas la faire souffrir. Mais pour l'instant, tu veux bien aller à la ferme t'occuper de ces bandits ? Je pense qu'ils sont trop nombreux pour moi. Bon, allons chercher Praxitea. Merci, Alexios. Oh, dis pas bah les couilles, on l'aide. On est un gentil. On est un gentil monsieur. Je voyageur. Ouais. On a eu une culotte. Ça me fait baisser mes dégâts, baisser mon armure. Vraiment forte la culotte que j'ai trouvée. Et ça, ça fait baisser mes dégâts. Ça augmente mes dégâts de chasseur. Mais ça, c'est pas les coups. Ouais, on a envie de lui dire. Hein. C'est bien parce que ça va me donner de l'XP et de la thune, peut-être. Je le fais sinon. Ah oh, putain. Proxitea est en Pokis. Merci. Elle est près du Santreres, terre sacrée d'Apollon. Elle est retenue dans une ferme. Alors elle est dans les terres sacrées d'Apollon. Ici. Elle est retenue dans une ferme. Dans la ferme. Dans la ferme. Il y a une ferme ici. Bah, elle est là. Emmanuel Macron habite en France. Merci. Ah, mon cheval. Eh bien ici cheval. Mais arrête de m'esquiver quand j'arrive. Non mais c'est au cas où vous faites c'est au cas où vous vouliez faire la quête secondaire plus tard. Enfin, moi vous savez dans quel continent, quelle région il faut aller. Ça se coud un cheval. Ah. Elle est là-bas. Ce doit être la ferme où Praxitea est prisonnière. Vous voyez l'importance de faire les quêtes secondaires, c'est que là cette ferme en fait j'ai déjà visité, j'ai déjà faite. Je vais re-y tourner. Bon, je vais pas m'amuser à tout faire, mais du coup j'aurais pu tout faire en un le coup. Donc on va se concentrer sur les quêtes secondaires des zones avant. Et c'est avant qu'on doit quitter cette zone qu'on va ouais, aller faire tous les points d'interrogation. Mais va te faire voir Alexios. Oh attends, il y a moyen de le one shot lui. Allez, bim. Une lance dans le buffet. Headshot. Headshot. Monstre kill, 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 kill. Le prochain, ça surtout que t'es en découverte, pas normal. De quoi qui est pas normal, mais casse-toi le lion, mais casse les couilles. J'ai été vu par quelqu'un. Monster kill. J'adore cette voix. Merde, tu putain, mon lion, t'es chiant. Oh, mais ce qu'il met, oh lionel, est-ce que tu viens de mettre? Oh, les patates de forain. Oh, c'était le dernier de toute façon. C'est bien le Honel. En plus, on l'avait déjà vu cette cage vide. Elle me souvient. C'est elle ? Merci, mon enfant. C'est une grand-mère, ça ? Nous devons partir maintenant. D'autres brigands. Elle a pas l'air d'une grand-mère. Non. Je t'en prie, partons d'ici. Allez, grouille. C'est mon lion adopté, t'inquiète. Comment il la bouscule, regarde ça. Coupe. Attends d'avoir la gravure 50% d'attaque ou PV et 100% d'attaque ou PV, je sais plus. C'est bon, c'est fait. Alors madame.
Dis-moi que c'est pas toi qui as fait cette prophétie. Merci de m'avoir sauvé. Ah si, elle fait vieille en fait. Ne me remercie pas, voix d'Apollon. Mais peut-être répétais-tu les mots de quelqu'un d'autre. Ah, oh, tu as rencontré mon petit-fils. C'est vrai, j'ai menti à tous et je le regrette. Les dieux auraient déjà dû me tuer, mais ils ont préféré m'étouffer de remords. Qui t'a fait enlever? Ces brutes-là n'en ont pas eu l'idée tout seuls. Ne me demande pas ça. Ceux qui veulent aujourd'hui me punir et qui me soufflaient autrefois ce que je devais dire... On peut dire, mettre des gravures sur les créatures. ...t'enterraient vivants si je te parlais d'eux. Ceux qui portent des masques et de sombres capes? Le culte de Cosmos? Ne prononce pas ce nom. Ah, c'est eux. Pourquoi avoir menti de la sorte? Les gens te faisaient confiance. Tu étais censé délivrer les paroles d'Apollon. Je ne le voulais pas. Pas quand j'ai été choisi pour être l'oracle d'Apollon. Mais là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je devais répéter leurs paroles. Sinon, ma famille aurait à en souffrir. Ta famille? Est-ce que tu te rappelles avoir dit à une famille de Spartiates que son plus jeune enfant... T'en bats les couilles, t'en bats les couilles, t'en bats les couilles. Non. Non, mais non. Avec toi, tout ce que tu... Je suis pas d'accord, Iron, là-dessus. C'est important, on est occupé de demander. C'est elle qui a fait la prophétie de tuer ma petite sœur. Pourquoi t'envoies un bas les couilles? Non, je suis pas d'accord, là. C'est hyper important pour l'histoire. Elle t'a parlé? C'est bien elle qui a apporté le malheur à ta famille? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte mon châtiment. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon petit-fils me tuer. Lycaon est un homme bon, un guérisseur, ça le briserait. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi de la tuer. Dans une quête secondaire? Bah, quête secondaire ou pas, la violence ne résout rien. C'est vrai que si elle était sous la menace et qu'elle dictait ce qu'on lui disait... J'ai tué assez de gens pour savoir que la violence ne mène à rien. Mieux vaut aller de l'avant et vivre le mieux possible la vie que nous accordent les dieux. Aller de l'avant? Mais Praxitéa a fait tant de mal à ta famille. Elle ne peut plus en faire. La tuer par vengeance ne changera rien au passé. Et n'est-ce pas toi qui parlais des bienfaits de l'espoir? Merci de ta clémence. Je te promets de faire le bien pendant le temps qu'il me voilà. reste. Ça, c'est bien. Tu as raison, Alexios. Je ne pourrais peut-être pas pardonner à ma grand-mère. Pas tout... Mais non. Pas tout de suite. Mais elle peut poursuivre sa vie, et moi la mienne. Ah si, c'est elle, what the fuck. Mais en soi, c'est le culte du cosmos qui lui disait quoi comment dire. T'y prends-tu pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir? Et toi, comment fais-tu, Lycaon? Toutes ces vies qui dépendent de toi, de tes soins et de ta bonté. Je crois que j'ai besoin de toi, Alexios. Pas pour tuer, mais pour trouver quelque chose, mais... Reste avec moi. Je ne suis pas médecin, mais je sais que tu as enduré beaucoup, Lycaon. Tu n'as pas besoin d'un Mystios dans ta vie. Rentre chez toi et mène ta vie de guérisseur. Oh, le casque. Oh, les gens, je crois qu'on a eu un beau casque. Ouh là 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 là. On perd du dégât de guerrier par contre. Mais on gagne de l'armure, on gagne du dégât d'assassin, on gagne du dégât crit. Et de la proba d'ignorer la moitié des dégâts. Attends. Proba d'ignorer moitié dégâts. 8% de d'ignorer la moitié des dégâts qu'on fait. C'est hyper... La tronche qu'on a. C'est pas mal. Oh yo yo cette tronche. Ah, même le lion. Ah, le lion se demande quoi? Regardez, lion quand même mate. Même le lion se dit, oh putain. Oh putain, la gueule qu'il a lui. Ah, un petit clip sur ça. Ça va aller dans mon best-of. Énorme. Nani? C'est ça. Oh merde. Allez. Donne-moi ton cuir de serre. Ouais, un petit clip. Ok, donc toutes les quêtes secondaires sont faites là de toutes les régions. Je pense bien. Donc on va aller découvrir tous les lieux qu'on n'a pas vus. Avant de quitter la région. Parce qu'il faut que j'aille... c'est Athènes, je crois, notre prochaine destination. On va récolter un peu de bois, de chasse au passage. Oh, c'est loin en fait. Cheval. Route indisponible. Ah, attends. Fait chier à vouloir des routes tout le temps. Pas que des routes dans la vie.
Là, c'est une route, ça, t'es content? Attends, tu vas où? Une route n'est jamais droite. Ouais, mais la mienne, oui. Non, je sais, mais des fois, ah, toi-même, tu sais que quand tu fais le GPS automatique sur le cheval, il fait le tour du globe pour arriver à la destination à côté. Voilà, c'est clip, non, là, ok, merci. Une statue. Oh merde. Je fais moi-même. Oula. Oh, c'est beau ici, il y a des statues de cuivre. C'est quoi cet endroit? YOLO! Non, cela joue pas YOLO, on va. Ah, il y a deux tablettes. Oh. Y a qu'un gars qui garde ça? Y a qu'un gars là? Ah non, y a un gars là. Ah non, c'est des travailleurs. Mais casse-toi le lion! Mais t'es casse-couille! Trois gars? Oh, ils sont où? Les hommes de Glaise de Prométhée. Si seulement Athéna pouvait leur insuffler la vie. Ah ouais, il y en a là-bas. Non, t'as rien vu. C'est un lit. Je suis Lionel! Ah bon, j'étais en hauteur. Yeah. Ah, il en reste un. Ah bah lui, ma vie. Oh merde. Lionel, donne un coup de patte. Ah, t'es trop court, mon Lionel. Lionel, à toi. Attaque, combo griffe. Oh, ce qui vient. Lionel, coup de griffe. Lionel, t'es où? Lionel, je compte sur toi. Bim. Bien, bien mon petit chat. Magnifique. T'es le meilleur. Car tu as tué trois gars du culte. Ah bah oui. T'étais dans la mission, tu l'avais pas vu. Oh, une stature de champion. Up apparemment. Qui me fait perdre des gars du guerrier et des gars du chasseur, on s'en bat les couilles. Et en casque, non, on a trouvé le meilleur casque du monde. Et la dernière tablette, ouais, je l'ai oublié là-bas. Lionel 4 Huma 0. Ah mais Lionel il est trop fort. Si tu te glisses derrière la maison du dirigeant du débarcadère des pèlerins, tu me trouveras dans un grand bol d'olive. Pardon. C'est le bol d'olive, ça m'a fait rire, je sais pas. Des fois je. Des crises de rire de n'importe où. N'importe quoi. De n'importe comment. Cette région là, on l'a quasiment pas découverte. On n'a pas eu de quête par ici, on a eu une quête par là, je crois. Bah, c'est ici qu'on a eu le cochon. Non même pas le cochon, c'était là. On a pas du tout eu de quête ici alors qu'il y a l'air d'avoir une ville sympa. Ici aussi. On a été que découvrir ça. D'ailleurs, on va quitter la zone là pour pouvoir TP. Voilà. Et ben, on va aller voir ce que donne cette petite région. On la connaît pas. Un bol d'olive. Tu vois, ça marche. Hein. Ça marche. Hein. Un bol d'olive. J'aime trop ton boule de mec. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Ah si. Je croyais que je ressautais de l'autre côté de la falaise. Je vais dire mais non. Idiote. Ah oui, on avait les arbres roses là. Les cerisiers en fleurs. Magnifique. Par là qui? Il parle à Lionel. Oh, trop fort. Alexios, il parle à Lionel. Là, ah donc c'est une ville en fait. C'est pas des méchants.
C'est pas une zone interdite, zone interdite, zone interdite, zone interdite. Comment on sait que dans une région on a tout fait ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir ça? Petite question. Est-ce que là, tu vois, là je suis en pokis? Genre avec cette hauteur là, est-ce qu'on peut voir? Oui, donc ça c'est toutes les quêtes. Ah tiens, on va regarder les noms exacts des trucs. Donneur de quête dynamique. Quête chronométrée, ok. Donneur de quête de compte perdu. Objectif de quête d'extension. Objectif de quête d'extension, d'accord. Donneur de quête d'extension. D'accord. Je regarde un peu les légendes, il y a des trucs que j'avais pas compris. Les membres du culte, les anciens. Les anciens, ça on n'a jamais croisé encore. C'est peut-être sur la fin. Tu enlèves les points déjà faits. Ancien, c'est le DLC. Attends, LT. Masquer lieu achevé. Ah, déjà, on peut masquer les lieux achevés. Bien. Lieu historique. Masquer toutes les icônes. Très bien. Et on peut faire ça. Je sais plus ce que je cherchais à faire. Ouais, si on a tout fait dans la zone. Est-ce que c'est parce que je suis en mode d'exploration, je sais plus quoi? Parce qu'il me semble que... Non, c'est peut-être dans The Witcher 3, je confonds. Dans The Witcher 3, en fait, vous savez... ce qui reste à faire dans la zone. Même si vous n'avez pas tout découvert, ils vont vous dire genre, bah, il reste des quêtes ou il reste des lieux d'exploration. Non, tu sais pas. D'accord. Je suis triste seul. Bah écoute, on va faire tout ce qu'on voit. Du moins. Alors, il y a l'air d'avoir une sacrée... Oh, fort de Pharsalos. Ah là, c'est pas du petit fort là. Ah là, c'est du fort boyard. Hein. Pardon. Il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Il y a des trucs à brûler. Oh, il y a plein de choses. Oh, il y a plein de choses à faire. Icaros, il sait même pas quoi me montrer tellement il y a de choses. Qu'est-ce qu'il veut me montrer par là-bas, toi? Il y a du peuple, là. Allez. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, non. Oh, merde. Alors, en premier lieu, on va aller faire ça. Hop, pour le piéger. Pour pas qu'il y ait d'alerte. Je pense qu'on a tout vu, hein. Oh merde, il y a un putain de gars là-bas. Blague nulle. Ah, tu enlèves les lieux et puis quand il n'y a plus rien, ça doit être fini. Ouais. Oh, mon lion s'est couché tranquille à son aise. Oh, ça sent la belle photo, ça. Belle photo. Je veux pas mettre le feu après avoir trafiqué. Mettre le feu à quoi? Ah non, mais non. T'es un peu moche. Ouais, mon casque est pas terrible. Mais bon, je veux pas m'amuser à reforger un casque, etc. Alors, on peut descendre là pour éviter de se faire repérer. Modifier mes paralyses. Oui, voilà. Tu as compris ma façon de jouer. C'est bien, mon ami. Oh.
Oh, c'est... Coup de poing dans les burnes. J'espère qu'il y aura ça dans Valhalla. Ouais, bah, je t'avoue, quand je serai en endgame, je vais me faire un perso super stylé, ça c'est sûr. Et pour l'instant, on change de stuff tout le temps, donc pas m'embêter à ça. C'est souvent dans World of Warcraft, je fais ça. On peut mettre ce qu'on appelle la transmo. Et la transmo, je la fais qu'une fois que mon perso, j'ai le stuff que je veux et tout. Sinon, je trouve ça beaucoup plus mieux. D'avoir ce que tu lootes visuellement. Oh, tu m'as fait peur. Hop. Par contre, si je mets le feu, ça va les attirer. Donc mettons le feu. On va se faire tous les remparts avant. Alors, il y a un gars qui se ramène là. Ah oui, via Coco. Oh, regardez comment on est bien en chouap là. Oh, ça va faire une belle photo, attends. Belle photo ça. Regardez, avec mon lion qui est en mode... Ah non, ça va pas le faire avec mon lion. Alors, en mode chouap. Genre deviner la suite quoi. Les remparts c'est plus safe. Ouais, mais c'est surtout pour si jamais je descends et que je me fais repérer en bas. Pour moi y a personne des remparts qui va casser les burnes, tu vois. Oh, j'arrête pas de faire des critiques de... L'assassinat normal. Ah, maudite flamme! Non! N'importe quoi. Ce fail. Bah, le site c'est Insta, c'est ça? De quoi? Eh, le chien il a pas marché. Il a marché? Peut-être que je l'ai pas entendu. Je n'y serais fier de toi. Eh, j'ai allumé le feu, c'est ça? Drôle, drôle, drôle. Oula. On pas tuer en un coup lui. Lionel, j'ai besoin de toi. Il lui a donné un coup de patte dans le dos, il lui a éviscéré. Tout. Il lui a fait le supplice du corbeau. C'est un avant-goût avant Valhalla. Wow. Tout ça c'est fait, on a quoi d'autre à faire? Il y a encore plein de trucs à faire. Hein. Eh, vous remarquez qu'on sait pas faire pérer encore. Eh, aujourd'hui en discrétion, on est bien, non? Ah mais casse-toi. Mon Lionel t'a défoncé. Et l'a défoncé. Ah Lionel il est... Je crois que Lionel est plus fort que moi. Pour ceux qui nous rejoignent, Lionel c'est le nom de mon lion. Quoi? Mais non. Mais d'où il m'a vu? Lionel, je te laisse celui-là. Je prends le... D'où il a régène de la vie. Oh, Lionel, il l'a fini. Attention, Lionel, elle brûle pas. Fais pas le fou. Lionel est level 100. Ah, c'est ça, il y avait une potion. Ah, Lionel, c'est un Gaulois. Hein. Ce bruit dégueulasse.
Ah merde, c'est de l'autre côté. Mais les gars, ils voyaient un lion se promener chez eux. C'est normal. Il vient de voir le lion passer. Alors je vais mettre le feu après, hein. Je vais juste tuer lui. Ah, c'est le module qui explose. Ah, avec sa torche, il a mis le feu. Lionel, fais gaffe. Fais gaffe, il y a du feu. Est-ce que j'arriverai à faire un... Oh merde. J'ai réussi ou pas? Yeah. La Lionel, on est bon, on fait une bonne équipe. Je crois que le... Oh merde. Oh merde, il y a une peau de Lionel, il faut pas qu'il voit ça. Vite, il faut qu'on se casse. Il va enrager s'il voit une peau de Lionel comme ça. Viens pas, suis-moi pas. Fais le tour Lionel. On a eu un beau stuff là. On a une belle culotte. Au 15. On gagne du dégât d'assassin, de l'adrénaline par coup, ça peut être pas mal. Et 8% de dégâts sur les soldats athéniens. Alors on perd du dégât de guerrier, mais on gagne du dégât d'assassin. Allez, on part sur ça. Ah oui, on a une hache. 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 Chier. Je préfère ignorer le lion au lieu de le taper. De quoi? Petite gravure guerrier, ça passe. C'est vrai, je mets une gravure guerrier et hop. Mais les gravures. Attends. Est-ce qu'on peut voir les gravures que j'ai là? Pourquoi j'ai pris un accent? Est-ce qu'on peut voir les gravures là sur moi que j'ai en stock? Stade détaillé. Oh! J'ai pas vu qu'il y avait un niveau de détail comme ça. Non, c'est à côté. En dessous de l'arc. Là. Ah oui, liste des gravures, bien vu. Parce que regarde, tu vois, ça veut dire quoi le petit bâton là? C'est le niveau de la gravure? Atteindre le niveau 24. Ah non, attends, gravure disponible. Atteindre le niveau 24. Mais j'ai pas atteint le niveau 24, idiot. Non, ça je les ai pas encore ceux-là. Gravure bloquée. Ça veut dire quoi les points qui est à côté? C'est le niveau de la gravure. Donc mes bas niveaux, je peux les liquider. C'est ça que tu veux dire? Bah tu vas augmenter cette gravure. Tu seras niveau 24. Ah! Ah, les gravures, je les garde en fait. C'est ça. Ah, les gravures, je les garde. Je pensais que je les perdais. Je pensais que c'était... Ah, d'accord. Et là, t'as la liste de toutes les gravures. D'accord. Et tu les débloques avec des succès ou des trucs comme ça. Tu es 25 ennemis distants à l'arc. Les uns à l'infini. Ah, d'accord. Ah oui, bah je vais faire des gravures alors. Ah oui, en effet. En effet, j'ai pas compris. Je pensais que c'était... Bah tu vois, j'ai toujours The Witcher en référence. Hein. Mais The Witcher, t'as des runes. Ils appellent ça des runes. Et une fois que t'as utilisé ta rune, bah voilà, il faut repayer pour l'enlever, etc. Et elle est perdue si tu vends le stuff avec la rune dessus. C'est pour ça que j'en mettais pas. Moi, comprendre mieux maintenant. Alors, on saute sur le gros, là. Oh, le 18388 qui passe! YOLO! Alors là, ce que j'ai mis, c'était du beau YOLO, hein. Du beau YOLO. On dirait le nom d'un instrument de musique. Eh, je fais du beau YOLO! Énorme, énormissime. On va regrimper. Il y a des cochons, ils me font peur là. Après, go, on remet plein. Mais carrément, oh merde! Il remonte. Viens, viens, viens ici. Avance pas trop vite. Enfin, je dis oh merde, trop bien, il remonte. Ah, lui, si je saute sur lui, il me verra. Et je parle pas de la nana dans Scooby-Doo. Ah, lui, on va l'attendre.
Ça, c'est des petits soldats de merde. Ils ont du fer sur. Si tu veux faire avec du fer. Regarde dehors. Fallait pas. Oui, je pense que je peux l'assassiner sans que personne me voit. Ah, peut-être là-bas, si, peut-être le niveau 15. Là. Kill. On enchaîne bien là, on enchaîne bien. On fait du meurtre. Mon lion qui bugged. C'est bien à monter dans les remparts, c'est très bien. Hop, on loot à travers les planches. Il voyait un lion, il n'y a pas de problème. Ah, le dirigeant de Pocky c'est désormais vulnérable. J'arrête pas de tuer le dirigeant de Pocky de toute façon. J'ai même marre de le tuer. Ah merde, j'ai fait un critique mais pas besoin. De l'obsidienne. Et le dernier. Et on aura fait... Non, descends de là. T'arrêtes de jouer à la grimpette. Non mais où. Et le dernier. One shot. Plus qu'à chercher. Voilà. Casque de soldat spartiate. Tuer la décédence. Et voilà, on est tranquille. Impeccable. Là, c'est du assassin. T'es fier de moi? Dis-moi que t'es fier de moi en tant qu'assassin, là. Ah, ce serait un très beau compliment. De dire que tu es fier de moi. Et on loot. Une armure de tueur. Alors là, les développeurs, ils se sont chauffés pour trouver des noms de dingue. Hein. Alors, l'armure de tueur. Je gagne un peu d'armure, mais je perds 113 de dégâts d'assassin. Oh, cette massue. Le skin qu'elle doit avoir. Je suis fier de toi, jeune Padawan. Merci. C'est très... Oh. Oh. Mais tous les jours, on a envie, du coup. Oh, mais je voulais que tu plonges. Ils ont tué plein de gens. Hey, de retour. Salut, Brioc. Bienvenue, welcome. Salut à toi, comment ça va? Je suis... content que tu es là. Pardon. Ah, merde. Non, mais ça, c'est là où je viens. J'ai fait un demi-tour sans m'en rendre compte. Le gars qui se perd. Petite Ah non, c'est juste vraiment pourri. Bon, vous jouez à mauvais tour. On peut ressortir par ici. Bon, on va essayer. Je pensais que j'avais fait demi-tour sans m'en rendre compte. Comme je saluais notre ami Brioc. Allez, Payek. Pas Payek. Ah, oh, faut que j'arrête hein. Alexios. Attends, y'a rien. Ah si, y a un petit passage. On loot des cailloux. Elle m'énerve à très bien depuis la dernière fois. Bah génial, tant que la santé va tout va. Hein. On dit pas le C de Brioc. D'accord, Brioc. Brieux, pardon. Brieux de CRV. Non, je vais t'appeler Brieux. Pas de soucis, je retiens. Je retiens. Si la prochaine fois je te rappelle Brioc, tu auras le droit de me demander de faire 5 pompes. Voilà. Gratuit. J'ai gratuit parce qu'avec les blabla coin, vous savez, la monnaie du chat, vous pouvez me demander de faire des pompes. Tu dois l'insulter aussi. Ouais, tu auras le droit de me faire une injure gentille. Genre... Espèce de guignol. Voilà ça, guignol, ça c'est une insulte hyper méchant. Allez, saute cheval. Voilà. MDR, je retiens les 5 ans. Ouais, ouais, on se dit ça. Brieux. Interdit de me tromper dans vos pseudos. Espèce de petite valseuse. Allez, cheval. Ça, le cheval, c'est trop génial. J'ai chaud, il fait une chaleur à crever. Mon PC il fait radiateur en même temps. Oh, ça se fight ici. Oh, désolé les gars, j'ai pas que ça à foutre. Il y a un camp d'Athénien à péter là. Camp militaire des Rochaux. Il est déjà plus petit hein, celui-là. Il va aller plus vite. On va vite casser des gueules. Hop. Il va jouer par ici.
Pourquoi? Qu'est-ce que t'as vu, mon pigeon? T'avais un coffre là-bas, gratos? Oh oui! Oh, on va aller voir après. Ah non, c'est le champ de bataille, là, machin. C'est bon, on a tout vu. Ça a fini au-delà. Genre une ligne d'histoire un peu. Putain, il y a un gars juste là. Alors, il voit à Lyon, il se doute de rien. J'ai découvert que Deimos était ma sœur. YOLO! Reste à toi. Voilà, j'ai. Du coup, je dois aller à Athènes. J'ai découvert le culte du cosmos. De ce fait. C'est du cosmos? Je sais plus. Le culte? Le culte du jeu. Et j'ai. Voilà, là je finis la zone de Pokis au niveau des lieux à découvrir. Les quêtes secondaires, etc. Pour aller ensuite aller à Athènes. J'aime bien parce qu'ils voient la pointe de mon casque. Ils font un. Hein, ils voient un lion. Ils s'en battent les couilles. Bon, moi ça fait diversion pour que je puisse aller assassiner lui. Hop. Quoi? Merde, quel con. J'ai fait la touche attaquer au lieu de la touche exécuter. Oh, bah, je suis vu là. Oh oh, alerte au gogol. Oui, oui, oui. Alerte au gogol, les enfants. Ouais, t'as le droit de me la mettre là. Non, non. Quoi? Au pire, il y avait un lionel de remplacement s'il mourait, mais bon. J'y tiens, mon lionel. Ouais, Brieux, notre lion s'appelle Lionel. Pour te mettre au courant. Et notre objectif là du stream, c'est... Il faut pas qu'il meure. Il faut pas que Lionel, il meure. Qu'est-ce qu'on a pas fait là? Il reste un trésor. Pigeon, t'as loupé un trésor. C'est peut-être moi qui... Non, c'est moi qui l'ai loupé, pardon. Pardon, pigeon. Ah, mon pigeon s'appellera toujours pigeon, par contre. Hein. Ça va pas hyper. Lionel 6, humain 0. Hey, il a tué 6 personnes, Lionel. Hein. C'est un ouf. Ah, ok, t'es encore au début de l'histoire. Ouais. On avance tranquille, oubilou. En fait, c'est notre jeu en attendant Valhalla. Donc, on joue à son aise. Arrêtez de me mettre des notifications, là. J'aime pas ça. Oui, on a croisé lui, alors. Il a qu'un œil. Bon, je vais me coucher. Je fais du surf à 6h demain, donc dodo. Du surf? Tu fais ça vers où? Je me suis toujours dit. Au revoir. Un des objectifs dans ma vie, ça sera de faire du surf à Miami. Et un jour, j'aurai des sous, je saurais pas quoi en faire. Je vais aller à Miami apprendre le surf. C'est mon truc. En tout cas, bah, bon dodo à toi et bon surf demain. J'espère qu'il y aura de la vague et que. Et que tu vas surfer tout ça. À Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie. Je ne sais pas où c'est. La Vendée, d'accord. Bon, là, ça dort. On va aller exécuter celui au bouclier, c'est le plus chiant. Non! Mais il dormait! Il se fout de ma tronche! Ouais. Lionel risque de mourir. Comment il a pris feu? Lionel! Non! Je peux pas aider Lionel! Lionel, il va crever. Do it! Just do it! Votre animal apprivoisé est mort. Non! Mais Lionel, il est resté en haut. Il est resté en haut, Lionel. Je pouvais pas aller l'aider. Oh, il a fait du dégât à Lionel quand même. Oh, le critique. Oh, c'est moi qui donne des coups de pied ici. Ok. Tiens, crève. Crève. Mon Lionel, on va aller chercher l'autre. Hein. N'aurait pas dû. Lionel, t'es où? Ah non, mon Lionel. Tu as une belle mort, tu as. T'es beau ici, t'es bien, tu vas bien te reposer. Ah, on va chercher l'autre. On va prendre le 2.0. Voler des voleurs, photo. Non, pas de photo. Écoute, il est mort juste en héros.
pas de photo. Mets-lui le feu, mais non. Laissons-le. Laissons la nature reprendre la nature. Hey, bonjour Lionel de Poison. Ah ouais, d'accord, il peut faire ça. Je suis pas au courant. Toujours peur de faire un critique et de perdre comme ça. Coup de pied critique. Allez. Nous allons courir. Ouh, on a encore un Lionel. J'espère qu'il est aussi efficace que l'autre. Hein. Moi je les brûle tous mes animaux morts. Nanana. Y a pas une chanson de Stupéflip avec les animaux morts. Qui est marrant. Ouais, il est déjà 23h40, bordel. Ça va faire 2h qu'on live. On va faire le dernier lieu. Et il me semble que ça sera le dernier à faire. Après, là, c'est ma quête principale. Qui est en dehors de Pokis. Mais après, on aura tout fait. Hein. Parce qu'il est lieu achevé. Donc, il me montre que ce qu'on n'a pas achevé encore. Donc, on est bien. Pourquoi il y a encore ça? Il oubliait. Ah, on peut se déplacer. Rapide. Pourquoi tu mets Nala? Pourquoi tu mets Lionel Nala? Nala pour le roi lion? Non, c'est juste Lionel, il n'y a pas de nom de famille. Je connais pas sa mère, je peux pas lui donner un nom de famille. Ah mais c'est juste Lionel. Si c'est son nom de famille, mais non. Vas-y, tu t'es cru dans un Disney, on joue à Assassin's Creed là. Qu'est-ce que tu me parles, t'es Disney? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je suis pas attaqué par des... Je vais vous aider. Ouais, excusez-moi, je vous ai donné un coup. Ah, il y a un méchant. C'est un méchant ou pas? Je sais même pas si c'était un méchant. Mais... Oh, Lionel, il s'en est fait deux. Eh, viens ici. Est-ce que je viens d'aider deux personnes, puis les tuer? Ouais, ouais, c'est bien ça. Bon, bah, je savais pas trop si c'était des copains ou pas. Bah oui, on est dans un Disney. Non, mais oh. Mais rentre chez toi. Tu compares Assassin's Creed à un Disney? T'es fou. Moi quand je donne un coup je termine. Genre tu donnes un coup sans faire exprès. Bon désolé hein, je dois vous terminer. On m'a toujours dit termine toujours ce que tu commences. Je suis déjà dans mon lit chez moi. Oh là. Tant que tu te masturbes pas sur moi, je m'en fous que tu sois dans ton lit. Oh les. Oh y'a un chien. Les chiens ils sont relous. Oh ça va être dur à... Oh merde, ça va être dur à infiltrer ça. À moins qu'il regarde pas par ici. Il vaut éviter de se faire voir. Oh bah évidemment il se retourne. Mais qu'est-ce qu'il... Non, non, on va pas tuer mon Lionel. Eh, comment il m'a évité cette fois? Non, 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 mon Lionel il prend feu. Non, Lionel. Oh. La soirée se finit mal, les amis. Notre ami Lionel 2.0 est décédé. Adieu.
tu dis chat, t'es méchant. On essaie de le remplacer ça. Ouais, mais le 1.0 restera toujours le meilleur. Hein. Il a fait un 6-0 quand même. Ok, allez, j'ai l'impression que toute la zone de Pokis est fait. Focus ou Pokis? J'aime bien Pokis, moi. On va dire Focus plutôt. Alors, on n'a pas fait ça. Mais c'est des défis qui reviennent tout le temps, ça. Récompense, il y a du stuff. Parce que quand on. C'est où qu'on l'avait fait le... là? On l'avait fait en Megari. Non, ça revient plus après. Ah, il faut que je le fasse. Il faudrait que je le fasse en fait pour. Donc, ça c'est combattre avec les Athéniens et ça c'est combattre avec les Spartes et ça. Défi difficile. Rejoindre la faction Sparte lors d'une bataille de machin. Faudrait les faire ça, non? Je vois qu'il y a de la bonne récompense. Vas-y, on va partir sur ça. On va se la faire avant d'aller me pioter. Ouais, donc on avait pas tout fait. Ça, on l'avait pas fait encore. Eh, hey, Iron, mets point d'exclamation join. Enfin, join. Dans le chat. Fais une barre de piège. Alors, c'est drôle ou pas? C'est. En fait, j'essaye un. Je teste un peu le référencement de Twitch. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des streams où il y a que des concours, ou qu'il y a des cadeaux, ou qu'on peut rejoindre. Et en fait, j'essaie de voir si à mettre ces mots-clés dans le titre fait venir plus de gens. Parce qu'on peut voir d'où viennent les personnes qui vous rejoignent. Ça fait peur, lui. Et qu'est-ce qu'ils ont tapé comme recherche pour tomber sur vous? Pas du tout forcé. Donc j'essaie ça pour voir. Après, je regarde un peu les stats, savoir d'où viennent les gens. Kéré, les Spartiates attaquent nos frontières. Et nous allons avoir besoin de toutes les armes possibles pour les renvoyer chez eux. Veux-tu prouver ta valeur au combat, Mystios? Oui. Je me battrai à vos côtés. Ah, un coup je combat Athènes, un coup je combat Sparte. Allons bah les couilles, ces Spartiates à genoux. Moi je viens de chez moi. Non mais ouais, me doute. Et donc c'est pour ça que j'ai mis plein de mots clés et plein de commandes sur le chat. Après il y en a qui... C'est pas des fausses commandes. C'est des... C'est juste pour tester. Donc là il faut tuer les rouges. Alors ils sont où les grands rouges? Moi je vise que les gros. Putain, ils perdent rien. Oh, il est beaucoup plus fragile, lui. Allez, ils sont où les suivants? Là, il y a un gros là. Victoire m'appartient.
Il est où le capitaine ennemi? Où est le capitaine ennemi? Il est où? Là-bas. Allez, on va se le faire. Go, 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 go. Qu'est-ce que vous dites là? Ah, c'est moi. Ouais, c'est vrai que c'est toi. Ah, tu vas tester toutes tes commandes du coup. Un jour sur mon stream, je vais te montrer mes combats de guerre. Ouais, il faudrait que... Mais quand? Bon, où est-ce qu'il y a encore des commandants là? Là. YOLO! Où est-ce que je lui ai mis? Ah, il est trop bien ce combo là! Les capitaines rouges. Allez, ouais, c'est chaud, c'est limite. Hein. Là. A few moments later. Oh, j'adore ce combo. Allez, des capitaines. Ouais, c'est un peu long, mais t'inquiète. Des capitaines. Oh, sinon, on va finir juste des gars comme ça. Ah, c'est bon, il se casse. Victory! 21 seuls, 7 capitaines. On a tué 7 capitaines. 6100 XP. Ouh, j'ai fini bien. Eh, on peut le dire. Monster kill. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut? Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors, le brassard avant, c'est quoi? C'était un torse qu'on a eu? Ouais, niveau 15. Alors, on gagne de l'armure, on perd de l'assassinat. On fait pas de dégâts de poison. On a eu de l'armure lourde. On a eu un arc niveau 15. Il nous fait gagner des dégâts de guerrier contre de l'assassinat. Oh, mais là, la probate crit, elle est trop bien. 2%. C'est pas grand-chose. Ici on perd tout. Les dégâts de chasseur on s'en fout. Ok. Attends, ça c'était un défi normal. Ah oui, j'aurais pu combattre avec. En fait c'est choix, vous choisissez les bleus ou les rouges. Et pourquoi c'était en difficile de l'autre côté? Champ de bataille de Pokis. Ah oui, mais après je peux refaire descendre les machins et recombattre un gars, etc. C'est ça. Dirigeant non découvert, ouais, au bout d'un moment c'est bon, on a compris quoi. Allez, bah vous savez quoi, on va retourner au bateau. Et la prochaine fois. Ah, en bateau. Attends, on peut pas faire tout le tour. Ah, on peut pas faire tout le tour en bateau. Mais comment j'emmène mon bateau de l'autre côté, les amis? Ah, je peux l'appeler à un port, c'est vrai.
Donc la prochaine fois on ira faire notre quête principale. On va se taper là pour être prêt. C'est plus facile, quasi 100%, ouais, tu critiques tout le temps quoi. Plus facile, non mais si je vais à un port, je peux appeler mon bateau au port, donc on va pas s'emmerder à faire tout le tour, on va juste l'appeler au port. C'est comme un aéroport mais pour bateau, à l'appeler au port. C'est... Vous sentez la fatigue là dans mes propos. Bon, menu principal, sauvegarder, on remplace ça, on va être à combien? 18 heures de game. Nul. Effectivement, c'est bien nul. Bon. Quoi? Oui, je sais, c'est nul. Il y en a qui travaillent demain. Malheureusement. Hop. Voilà. Bon allez. Bon, mais c'était cool ce soir. Non, tu pars, je pleure. Ouais, je suis navré, mais je travaillerai pas demain. Je serai resté jusque après-demain, mais je peux pas. Bon, allez, sur ce, les petits amis, merci d'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir. Merci à Aaron d'être toujours fidèle au poste. Et c'est ouf que tu sois toujours là. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. À la prochaine. Restez connectés. Et comme je dis toujours. Ah putain, à chaque fois, je veux changer ma voix et ça marche pas. Amusez-vous bien. Dans ce monde. Au revoir.